plus les confinés. Bon, petit film vite fait aujourd'hui. Alors, là, regarde, je vous fais voir quoi? Un calendrier, ok. Un calendrier, bon, je vous fais pas voir le mois de mars, évidemment, c'est le mois en cours. Voilà, donc, enfin, on s'en branle, de toute façon, j'ai couvert. Pourquoi je vous fais voir ça? Si vous... Parce qu'il y a toujours des têtus, et puis on n'est pas à l'abri d'un problème. On n'est pas à l'abri de ce que les gens font à notre place. Si vous avez... quelqu'un qui... Si vous rencontrez du monde, peu importe les circonstances, la dernière personne que vous avez rencontrée, vous allez marquer son nom, là, sur le jour où vous l'avez rencontré. Tu vois, par exemple, le 4 juin, hop, bon, on est en mars, d'accord? On dit, ok, bon, mais le 4, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, voilà. Le jour où tu as rencontré quelqu'un, tu écris la date. Tu écris au jour de la date le nom de la personne que tu as vue. Et ainsi de suite. Parce que si tu as vu des gens, ça veut dire que pendant 24 jours, c'est pas 14, c'est 24 jours, ok? Pendant 24 jours, tu peux développer le truc. 14 premiers jours pour savoir si tu es malade, 21 jours pour savoir si ça se développe ou pas, et 24 jours pour être sûr que tu n'as rien. D'accord? C'est le minimum. Minimum syndical. Ok, donc, si pendant ces 24 jours, il t'est rien arrivé, il s'est rien passé, t'as pas eu de fièvre, t'as pas eu le Covid et tout. Bon, mais c'est nickel, t'es sauvé. Enfin, t'es sauvé momentanément, t'as pas encore malade, ok? Si par cas, il se peut que tu tombes malade et tout le bordel, eh bien, à ce moment-là, tu vas aller regarder ton calendrier et tu diras, tu montreras ça à tes toubibs et tu diras, ben tiens, voilà, faudrait tester ces personnes parce qu'elles ont peut-être le virus. Tu vois, ils ont peut-être le bordel, le Covid. Ok, alors, si tu fais cette précaution, ça te permet de savoir prévenir les gens qui sont susceptibles d'être atteints. Voilà, c'est une petite manip à faire facilement. Hein. Bien sûr, si tu rencontres personne, le calendrier reste vide. Ok, allez, tiens, on va changer de côté, je vais vous faire voir l'autre côté. Tu vois, voilà, ça c'est mon quartier. Ah ouais. Voilà. Un des plus petits départements d'Aquitaine, un des plus touchés. Voilà. Hier, dans le département, il y avait 64 personnes de touchées par le virus. Ok. Bon, voilà, allez, c'est tout, je vous laisse tranquille. Bon confinement, peut-être que je ferai un autre truc si j'ai le temps aujourd'hui. Allez, à plus. Et alors, merci aux nouveaux abonnés. C'est gentil, les gens, de vous abonner, c'est sympa. Puis, pour ceux qui sont partis, les 4 qui sont partis, ben, salut, bonne route, et puis un de ces jours, peut-être. Allez, au revoir. Pensez à vous abonner. Allez, salut les gens. Ah ouais, j'oublie toujours de dire ça. Abonnez-vous, souscrivez. Ouais, bravo. Activez la cloche, toutes les cloches. Ok, salut les gens. À plus.